Ça, pour une fois, il y en a qui s'échappent.
que je vais bien finir par arriver à fermer une trappe là. Tout à l'heure je l'ai fait. Y'a pas de raison que j'y arrive plus. Bon ça là, ma pète pas trop grande, y'a moyen de faire quelque chose. Je suis pas le mec quand tu essaies de faire ça, mais ok. Je sens qu'il y a l'huile d'un coup, mais je sais pas où. Ok, là tu as des coups. Bon, bah ça ira plus vite hein, pour avoir une trappe. C'est un peu bateau de tunnel, mais bon, à un moment donné, il casse les couilles, il attrape. Hein. Toute la phase proc. Le meilleur moyen, bah, c'est de terminer vite avec les survivants. Thank you.
truc. Hein. Elle est morte, je suis pas sûr. Ah, quoi que non.
Il me reste encore un tout petit peu de temps. Je sais pas, 4 survivants accrochés dans la cave. C'est des tarés. Ah, par contre, ils demandent pas ce qu'ils crèvent dans la cave. C'est déjà une différence. Mettre un mec à la cave, c'est pas impossible. Bon, après, c'est un in-game. C'est pas impossible. Bon, déjà je vais faire le truc avec les mecs à accro 18 fois. Comme ça c'est fait. Que je redoutais un tout petit peu, c'est l'autre défi du docteur, parce que si c'est la même connerie que tout à l'heure, ça va être bien chiant.
Oh non, pas cette map, mais pourquoi? Ah, ils veulent que je perde, je crois. Bon, après, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fait mon défi de trap, c'est le plus important. Ok. Le problème c'est que cette map je la connais pas, donc je sais pas si il y a des pattes à tout le monde ou pas. Et genre ça passe pas. Ouais, à un moment il faut bien que tu tombes hein, quand je te fous des coups. Voilà. Mucha de miada. T'as vraiment essayé de me flash là. T'inquiète, je peux mettre là. C'est pas dégueu hein, la cabane de site, hein, franchement. Chapeau. Reste de la merde avec la flèche. Ah bah qu'est-ce que j'ai là, je connais déjà le loop infini ici. Ah shit. À la bâtard, putain, j'aurais dû le cage. Si qu'il y ait la flash pour l'instant. Faut que je le défonce celui qui a la flash. Pas possible. Trop. C'est sûr que je vais pas te laisser partir. Bah les gars. Thank you.
Ouais. C'est quoi ce bordel? Il a tapé pendant quelques secondes chez toi. Là en bas, je suis obligé de passer par là, fait chier. Ok, la fin que j'ai une flash. Okay. Il y a deux emmerdeurs avec des flashs. Ouais, est-ce que je t'en fous des emmerdeurs flash, moi?
What the fuck? Spawn là-dessus. Ça va être compliqué là. En plus, je sais même plus où elle est, mec. Le plus il est où je suis. Essayer d'en ramper pour toi, parce que même moi je suis pour aller. Hein. Ah, donc je peux accrocher qu'une seule fois les mecs par game. Oh shit. Ça veut dire que ça me force à faire quand même deux games pour pouvoir finir ce défi que... Donc, encore on va dire peut-être 4 là. Ouais c'est ça. J'ai pas le choix. Bon après c'est assez rapide puisqu'il suffit juste que j'accroche une fois chaque personne, donc c'est pas un problème. Déjà 6h pile tout. Oh là là. J'ai plus beaucoup de temps mais j'en ai encore. Donc il y a peut-être moyen de terminer le défi avant qu'il soit 6h. J'espère. Bah non, avant 6h c'est pas possible parce que c'est au moins un quart d'heure une game, donc au moins avant 7h ça c'est sûr. Ça me ferait chier de couper le stream un peu milieu juste à 8h parce que le technicien viendrait, mais bon, si j'ai pas le choix, hein, voilà. Mais bon, je vais essayer de terminer bien avant, comme ça je serai tranquille et on ne aura pas de coupure entre eux quoi.
coup. Je sais pas trop là où il peut être. Hein. Ah, peut-être là, il y a les corbeaux qu'on voulait. Il doit bien connaître la map déjà, parce que vu comme il a vu loup. Ok, je crois que la peur pas vu que je tombe sur ses yeux. Réussite. Thank you.
sniper, ça n'a pas touché. Ouais, j'ai rien compris là, ce qui se passe. C'est la Kate. Faudrait que la Kate vienne pour des coups et comme ça bah je coupe la qualité de Bastra. Ça c'est chaud que ça fait. Ouais, c'est bien vu.
J'aurais peut-être dû le report pour insulte parce qu'à mon avis c'est pas n'importe quoi ce qu'il y a. J'ai plus rien sur ce tueur, donc on va next. Oh non, après il est bien, mais c'est pas mon délire. J'ai mis la tête contre les murs, voilà quoi. Non. Ça c'est parce qu'on arrive au matin, c'est plus chiant que tu as maintenant.
qu'est-ce que j'ai comme truc sur lui. Ah oui, d'accord. Des trucs banals, quoi. À la vitesse, je l'ai aussi la vitesse. Poteau, ça va être compliqué pour vous. Hey! Le mec.
bête, c'est mort, je vais pas jouer contre un mec. De game, ce sera terminé. La merde, j'ai plus rien sur lui. Non, j'ai plus rien. Bouchon là.
un bail que j'ai pas joué avec ça. Je vais mettre à jour mes cartes là. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleeding. This is my last resort. I cut my life into pieces. I've reached my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleeding.
spread too thin, till it was too late and I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love from another. Searching to find a lover on a higher level. Fighting nothing but questions and devil. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would... There you go. Mourir. Voilà. Aïe. Nope, nope.
Des mecs quasiment. Ma grosse star.
déjà lui. Et plus que deux petits kills, deux petites accros, c'est bon, c'est next. Des petits points là. Ça va vite régler ça. Ouais, ok. Vas-y Victor quand un super Laura. T'es sur 26 qu'on a, ouais. Pas ouf hein, mais ouais, ça peut être bien par contre. Alors je sais pas si c'est parce que Victor a eu l'air de s'être fait buff au niveau de la vitesse des déplacements, mais je trouve que les jumeaux ont l'air un peu mieux qu'avant. Avant c'était vraiment un joueur. J'étais obligé de slug. Là j'ai pas eu besoin de tant slug que ça. J'accrois direct. Bon après j'avais des aides de donc peut-être que ça a fait la gif aussi, mais pour l'instant je m'en peine pas. Peut-être que mon but aussi est assez bâtard sur ce personnage. Bon, je remets un peu de musique. To the beginning.
Putain, mais genre il a le droit de me retaper que... Putain. Thank you.
Pas être là maintenant. C'est dégueulasse. Yeah.
faire ça comme défi parce qu'à chaque fois j'arrive à en faire des crochets caves. Accroché dans la cave. Ça devrait être faisable hein, en vrai. Ouais, c'est un endgame donc bon. C'est là où ça va être un petit peu problématique si les mecs qui refusent d'aller vers la cave. Ça va être amusant là, des gros poissiers. Ça c'est pas impossible, ça va être une bonne game. Parce que là il y aura un petit équilibre entre deux. Et encore, même les deux autres ils ont l'air pas débutants non plus. Donc bon, il y a moyen que ce soit une bonne game pour eux, autant que pour moi. Donc on verra bien comment ça se passe. L'avantage c'est que les jumeaux sortent pas souvent, du coup les gens ils savent pas trop jouer contre. C'est une bonne map. Fuck, elle me nique comme ça, quoi, la fille, casse les couilles.
supplie, mais ok. Qui m'a vu faire à côté. Bizarre ça. Alors que je suis en tout droit quoi. La triche, le mec qui a rien de taper alors qu'il aurait pu pouvoir. Ils m'ont bien torché les games que... Ah, tu peux casser le cul avec le couteau de cette merde. Ah!
Ah oui, ça sera trop tard à mon avis. Bah cette fois-ci, je ne fais aucun kill avec elle. Pour une fois. Quoi, ça dépend pas vraiment des zones, c'est plutôt au niveau de la map et des mecs qui en face. C'est vrai qu'il faut acclimer ta cave, putain j'ai oublié ça. Hmm?
J'ai parti trouver, mais bon, ils mettent une pompe à le mettre. C'est vraiment n'importe quoi. Je commence à fatiguer un peu. C'est bon, vu qu'il est 7h, je vais revoir les fenêtres là. Sinon, je vais avoir tellement chaud, je vais pas m'en sortir. Les coups. C'est pas direct. Thank you.
ils font le malin comme ça, petit bug. Ils se font pas une deux secondes après. Tiens, David, il est pas vu de la game encore. C'est comment ça du chien à faire ça. Heureusement j'ai plus grand chose sur elle. Je vais changer. Je
peut-être prendre un trappeur parce que ça sera plus simple pour faire des défis à la con. Même si j'ai rien sur mon trappeur, c'est chez lui. Que dalle devient pour la caméra. Ailleurs, Booba, mais bon, Booba cave, voilà quoi. Non, faut vraiment que je prenne le trappeur. C'est ce qu'il y a de mieux vraiment pour choper les mecs pour la cave. Ça me l'a le temps encore, ça aussi. Ah, ça y est, quand tu dis ça, pim, un petit match. We'll be right back.
Puis arriverai un jour le train à faire ce défi. Bon, par contre, j'ai fait vraiment une dernière, ensuite je commence à préparer 2-3 trucs. Après celle-là, je ferai le défi avec les deux, qui est, si vraiment aucune des deux j'arrive, bah, je laisserai tomber. Si j'ai pas le temps. Et dans tous les cas, vous avez à peu près vu ce que ça donnait de toute façon. Kill Cave, c'est vraiment facile, il suffit de prendre le trappeur, c'est easy win. Et pour le dodo, que bah c'est pas compliqué non plus quoi. Ça sera du taz autour des poètes en même temps de frapper. Tranquille quoi. Allez, let's go. Oh putain, la cave ici, elle est casse-couille en vrai. Elle est casse-couille pour moi, mais aussi pour en vrai. Sauf qu'elle est là. Ah ouais, c'est ça. Yeah.
Ah putain, la touche. Ah, mais genre le mec qui l'a fait, après il arrive à faire des trucs de fou là. Putain la grosse chatte. Putain, c'est sûr que c'est fait exprès pour pas que je puisse faire mon défi de cœur. Alors à mon avis il aurait choisi une poigne de fer, agitation, etc. pour faire la cave. J'ai pas pensé mais bon. Il cherche la merde les mecs. Ça semble plus pissé parce qu'il a réussi à faire des trucs de faux pour les trafics. Ouais tiens prends ça dans ta gueule. Ça il est vers la cave.
plus mon bon cassier. Ouais, peut-être que l'IP j'aurais dû les mettre plutôt sur les côtés de la sortie de la cave et non pas sur les sorties du bâtiment. Ça aurait été plus intelligent je pense. Du coup là j'ai plus assez de temps donc ouais non, même pour faire le défi j'ai pas le temps. Bah, du coup je vais vous laisser là dessus et je vous dis à la prochaine.
the touch of our innocence is faded.